Regardons ensemble le soin capillaire que je vais faire ce soir. Donc, en fonction un petit peu de, bien sûr, de des cheveux. Donc là, ça n'a pas du tout séché depuis hier. Il y a eu de la maïzena avec de l'huile de lin et de l'huile de sésame. Donc, ce que je vais refaire tout simplement, c'est masser les cheveux sans les brosser, parce que je sens qu'ils ont pris l'humidité depuis hier. Donc, je vais masser chaque mèche pour continuer le soin sans peigner, puisqu'hier je les avais pas mal peignés. Et je refais le boudin. Ou ça jusqu'à temps qu'ils soient secs. Et tant qu'ils ne seront pas secs, je ne vais pas remettre d'autres lubrifiants ou autres dessus. Donc, je vous dis, j'ai l'impression d'être en plein Nouébé. Sauf que ce n'est pas du Nouébé que j'utilise. Là, il y a du henné, de l'herbe de blé, du curcuma et de la poudre d'ortie. Et c'est vrai que l'inconvénient, c'est le fait que ça soit salissant. Et autrement, je ne vois pas d'autres inconvénients, puisque les cheveux là sont maintenus en place bon, bah, toute la journée. Et voilà. Et je sens que si je fais ça vraiment tout le temps, ils vont prendre ça. Hein. Ça c'est maximum, ça c'est en un an, mais vous voyez, on verra vraiment une différence. Mais pour ça, il faut que je continue exactement cette méthode. Et pour l'instant, ça fait seulement 4 jours que je la fais, et je sais pas du tout si c'est mon style de garder la même méthode un an. Il faudra bien que je les lave à un moment donné. Je ne sais pas si les femmes qui font le Nouébé lavent leurs cheveux. Je crois que non. Mais par contre, elles réappliquent le Nouébé de temps en temps. Je regarderai encore une vidéo. Et c'est dingue, hein, plus je fais ce système, et plus les cheveux sont lissés. Donc, je pense que c'est une excellente méthode. Mais c'est vrai qu'après on ne peut pas poser les cheveux partout, et ça limite le choix de coiffure. C'est bien. Un soin très rapide ce soir. J'ai la nourriture sur le feu. Là, le but, ça va être d'ici demain maximum, ou après-demain peut-être, ben, qu'il sèche en fait. Il arrive à sécher. Donc là, j'ai des ongles qui se prennent dedans. Et ça, il ne faut pas. Donc, j'ai l'impression d'avoir les cheveux vraiment comme défrisés là, au bout de quelques jours. Elle est lisse, 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 lisse. Si ça se trouve, les femmes qui font le Nouébé, ben, au bout d'un certain temps, leurs cheveux peuvent redevenir crépus, je ne sais pas du tout. Il faut que je regarde plusieurs vidéos là-dessus. Je ferai un challenge aussi, ventre plat. Peut-être à partir de demain. Parce que, en fait, j'ai la. Normalement, quand on danse, on relâche pas. Enfin, sauf dans sa robe. Sinon, on relâche pas le ventre. Et à force de le relâcher, ça fait une brioche. Donc, je comprends maintenant pourquoi les profs de danse, qui ont d'ailleurs des fois eu plusieurs enfants, qu'elles insistent pour qu'on en serre le ventre. Je crois qu'il m'en manque encore deux et c'est bon.
Ouais, celle qui est tout derrière encore aussi. Celle-là, c'est la plus petite. Je pense que ça, c'est la consistance des cheveux de Miss Naturel, Naturel Univers Soleil. Je pense qu'elle, quand elle met ses cheveux, ça fait ça. Moi, c'est juste à ce niveau-là, derrière la tête, que mes cheveux sont aussi, aussi lisses. En fait, c'est autour des oreilles.